Ben voilà, c'est ma deuxième participation à Filme ton quartier. Bon, là, c'est ma mère, mon père. Oui. Que la montagne est belle. Et pourtant, dans les années 80, mes parents, Briançon à droite, la vie à Briançon, les photos que mon père a prises avec. La vie, la gargouille, notre quartier de vacances et cet appartement au 41 rue de Castres au deuxième étage dans le vieux Briançon. Alors le 8 décembre 1998 sur l'immeuble du 41, le maire écrit à mes parents et prend un arrêté de péril imminent, ayant pour conséquence la démolition partielle de l'immeuble. Elle était financée par les copropriétaires, elle était suivie par le syndic, le maire, l'architecte des bâtiments de France en 99. Mes parents ont dû débourser 60% du prix du bien pour démolir cet appartement. Direction Briançon. Col du Lautaret. Mètres. Ah, 2000 mètres. Ouais. L'autre commune de France. Hein. L'objet du déni. Direction la vieille ville de Briançon. 14h, cité Vauban. La collégiale. Que de souvenirs. Et voilà la porte de Pignerol. Piste de ski, le ProRail. Oui, le Tour de France, il passe souvent à Briançon, avec le col du Lautaret, du Galibier. Ouais, c'est la gargouille, et nous, c'est au bout à gauche. Il y a la fontaine, et c'est à gauche. Et voilà. Donc, 20 ans après, le maire m'écrit. Sans aucun préavis, depuis 20 ans. Il me demande de redétruire l'appartement de mes parents, qui est déjà détruit, par un deuxième arrêté de péril imminent. Ouais, 20 ans après, l'auberge de la paix, là où Vincent a mangé avec papa et maman, une fondue savoyarde. Et à ce jour, je n'ai pas la solution pour cette transition intergénérationnelle.